Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Merry Christmas, everyone. Ah, hey. Buon Natale. Méné, vous pensez quoi, Méné? Vous pensez quoi de la paire, Méné? On la voit pas? Non. On voit pas la paire. Croyez-moi, c'est une belle paire de Yeezy que j'ai au pied, des Yeezy Slide. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Noël. On va offrir des cadeaux à tout le monde. À trois personnes, exactement. Les règles sont simples, on va... Très simple, vous avez compris. Donc on passe à la suite. Je pense que tout est bon pour nous. On passe directement à la cueille des cadeaux. Les règles sont très très simples. Les amis, on va devoir élire qui est le meilleur Père Noël. J'ai avec moi les deux meilleurs Père Noël du PAF, Elian et Ben, qui a un rendez-vous business juste après. Oui. Ah bah j'ai des clients en fait juste après. Ah oui. Mais c'est pas des enfants, c'est des clients. Non, c'est des clients. Juste, bon, j'ai un petit rendez-vous, c'est le Uber de Noël en fait. Ok, maintenant. Bah okay, c'est Uberisé Noël. Bah ça fait plaisir en tout cas. Là les amis, on a trois abonnés qui vont nous rejoindre et qui ont chacun choisi leur Père Noël préféré. Je serai le Père Noël d'un abonné, tu seras le Père Noël d'un abonné, tu seras le Père Noël d'un abonné. Derrière nous, il y a 15 cadeaux, 5 cadeaux chacun. Problème, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cadeaux. Il va falloir qu'on en sélectionne 5 chacun et qu'on les offre à nos abonnés. Et ensuite, que les abonnés désignent qui est le meilleur Père Noël. Il y a des PS5, il y en a une. Ah. Hey, ok. Il y a des AirPods Pro, il y a des montres connectées, il y a ta daronne. Putain, je t'ai pas dit, on a mis ta mère quelque part là. Je suis presque sûr qu'elle rentre. Quelque part là, par ici, c'est une petite urne. Mais on est d'accord que dans un petit cadeau, il peut y avoir la PlayStation. Évidemment, il y a des petits tricks. Peut-être qu'un gros cadeau, il y a rien dedans. Peut-être qu'il y a un paquet comme ça, il y a écrit PlayStation, elle est dedans. T'as compris. Et ce que j'ai pas dit, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, le meilleur Père Noël parmi nous trois va recevoir un cadeau du vrai Père Noël. Vous savez, j'étais en Laponie là. The real one. Il va nous faire un vrai cadeau, mais c'est que pour le meilleur Père Noël. Donc à nous de bien sélectionner en amont les cadeaux, de bien se défendre auprès des abonnés, parce que ça je l'ai pas dit. Mais c'est pas grave si ton abonné il a pas la PS4, c'est la PS5 maintenant. Oui, c'est la PS5, ouais. J'ai 1000 ans. Pourquoi c'est pas grave s'il a pas la PS5? Parce que c'est pas grave. En fait, si vous voulez, ici c'est pas l'argent qui prime. Ce n'est pas l'argent qui compte. C'est pas ça, c'est the art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton abonné, tu lui offres un poster de la Fouine, mais tu lui offres en lui expliquant à quel point c'est un merveilleux cadeau, peut-être qu'il va penser que c'est toi le meilleur Père Noël. C'est pas grave s'il a pas la PS5. Faut être bon vendeur. On va passer tout de suite à la vidéo et bonne vidéo. Aïe. La famille, c'est le Père Noël, je vous amène une OP. Je m'amène une OP, c'est pour moi la famille. Prime Vidéo nous accompagne sur cette vidéo, ça me régale, merci à eux. Un stupéfiant Noël est disponible, un film avec Éric Judor, Ragnar Le Breton. Si vous voulez des hacks en famille, c'est le moment, allez le voir, foutez-vous-le dans la gueule. C'est idéal si vous voulez vous regarder un petit film de Noël. C'est à mi-chemin entre une comédie festive, un film policier. En fait, si vous voulez, c'est Ragnar Le Breton et Éric Judor Prime, parce qu'il a des cheveux, qui échangent leur corps. Ragnar, le policier, du coup, se retrouve à devoir faire du patinage artistique. Éric Judor se retrouve lui infiltré dans une sombre affaire de drogue, être un trafiquante de la calle. Si vous voyez de quoi je parle, moi je suis un mec un peu bresson, je préfère pas en dire beaucoup plus. Les infos sont dans la description, allez voir leur catalogue, merci à eux de nous accompagner. On retourne sur la vidéo. Les amis, l'heure est grave, c'est vraiment grave, on va passer à la sélection des cadeaux. Là, vous allez devoir choisir totalement au hasard les cadeaux. Ça va vous demander de l'instinct, un petit peu de feeling. C'est ça qui va déterminer si vous allez être un bon Père Noël. Qui choisit en premier? On va faire un jeu pour déterminer. Je commence. Je vais prendre lui, moi. Allez, c'est pas grave. Vas-y, commence, Max. Prends lui, mon gars. Vas-y, hop là. Moi, je prends lui. Donc là, on y va un tour chacun. Un tour chacun, vous sélectionnez 5 cadeaux. C'est un moment assez important parce que là, on prend les cadeaux pour nos abonnés. C'est vraiment ce que je viens de dire. C'est le concept de la vidéo. Tu veux que je te mette une bataille? Non, non, non. Ok, bah on y va alors. On dit pas comme... On dit... Au cas où, mais c'est juste parce que... Ok, vas-y, moi je prends le bonbon. Moi j'ai pas du tout dit ça à la base. Ah, et... y a un paquet qui s'est rajouté. Il y a un autre paquet là. Je prends le bonbon. Et Lyon a déjà deux paquets. Alors écoutez, on peut... Là t'as soulevé, t'as pris, c'est fini. Là tu l'as pris, c'est trop tard. Attends, on peut toucher, on peut tâter, on peut sentir. Déjà, on a dit c'est pris, c'est trop tard. J'ai hâte de voir c'est quoi celui-là. Si c'est la PS5, je suis dégoûté. C'est ça que je voulais dire, très important. Ça veut dire que là, je prends le cadeau. Tu vois, je vois celui-là, je le repère. Tu as le droit de trifouiller un peu. T'as le droit de toucher. Comme ça, mais pas plus. Ok. Waouh. Waouh, j'ai touché un cadeau les gars là. Le touchez pas. Ok. Oh, wow. Ça sent bon les gars. Non, c'est la magie de Noël. Ça sent bon ce tournage. Ah, tu joues sur les petits toi. Je vais essayer de faire un petit peu tout. Tu joues sur les petits toi. Ça c'est que les petits toi. C'est que les petits. Ouais, les petits cadeaux quoi. Parce que moi je me dis la preuve c'est sur la PS5, elle a pas mis dans un truc de PS5. Oui, oui, oui. Donc je pense les gros cadeaux c'est pour bait, y a rien dedans. Mais moi je mise sur ça. C'est vrai qu'on est focus sur la PS5. Mais y a oui, mais y a pas que ça. Il y a les AirPods et tout. Je pense qu'ils ont mis peut-être des beaux cadeaux derrière. Oui, par contre il y a juste une odeur. Une vague ici d'odeur. Il y a une bonne vague. Je vous dis, il y a un truc à moisi derrière.
T'es déçu. Il est léger. Ouais, c'est bon, c'est un carton vide en fait. C'est... Un, deux. On a okay, deux chacun là. J'y vais. Mais en fait, le truc de derrière, c'est pas bête. Je pense que derrière, il y a les beaux cadeaux qui se cachent. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous vides. Je vais pas vous mentir. Ah oui. Ok. T'as un plus. J'ai le seul parce que lui, je l'ai repéré. Je l'ai... Wesh. J'avais un peu envie de le prendre celui-là. Tu peux soulever? Non. Ok. Okay. Oh là, non, peut-être qu'elle est là. Hop là, la PS5. Oh, bah, c'est lourd. Fin, c'est trop fin. C'est fin. Comment c'est lourd? C'est pas lourd du tout, j'ai l'impression. Ta gueule. Il reste plus beaucoup, hein? Bah, il en reste deux chacun. C'est peut-être une trottinette électrique. Je pense que c'est mon daron. Ça, c'est, il revient. Ah ouais. C'est ça. Non, c'est... attendez. C'est non, attendez, évident, attendez, on est. Tu tournes pas vers moi. Tu c'est quoi le thème? C'est Noël ou Halloween? Tu sens les esprits qui passent? Oui, je sens. Il y a beaucoup d'esprits. Repose un peu, moi. Il est KO. Ça l'a mis KO. Moi j'ai 4 cadeaux les mecs en tout cas. Mais attends, il y en a plus que prévu. Elle reste de ton honneur là. C'est horrible. Mais sympa, il va devenir noir. Mais c'est fou d'inventer. Alors que c'est des bruits rajoutés en post-prod, je précise pour les gens. Oui, oui. Allez. Ça part. Connard, je voulais le prendre. Ah ouais. Mais Elian, il est malin. Regarde, il a pris que des cadeaux non conventionnels. C'est pas des vraies formes de cadeaux, machin. Ah. Lui, il est bien, lui. Ok, lui, bien. Trop bien. Là, ils sont tous légers. Ouais, mais est-ce que je me fais avoir avec un carton où autant il n'y a rien dedans, mais j'en ai déjà un qui ressemble? Soit un fromage, mais bizarre. Soit lui, mais j'ai que des cadeaux un peu conventionnels, un peu comme ça, justement. Je crois que je vais prendre le Frampton. Putain, le Frampton, on fait chier. Je prends le Frampton. Tu prends le Frampton? Ouais, je pense que okay. Je prends le Frampton. Donc toi, t'as plus le choix, en fait. Ouais, j'ai plus le choix. Tu penses qu'on te donne? S'il y a un truc nul. Si tu penses qu'il y a un truc nul, faut absolument que ce soit Ben qui l'ait. Exactement, vas-y, allez. Peut-être c'est pas un truc okay. Nul, hein. Bah, on peut pas savoir, de toute façon, dans tous les cas. Ok. Ok. Ok, je pense que. Ça. Moi, je t'explique. Ok. Je suis un nerveux. T'as compris? J'ai pas la ref. Bon, bah, du coup, le dernier, hein. Mais ça fait deux cadeaux que j'ai comme ça, là. T'as c'est les bien... deux mêmes. Oui, c'est vraiment. Je pense que ta sélection, frérot. Là, comme ça. Hein. Mon abonné, ça va, je pense, ça va être le plus heureux du monde. Ta sélection, elle a l'air abominable. C'est vrai, vous pensez quoi de votre sélection, là? Moi, je m'en sors bien, mais j'aurais préféré plus de cadeaux un peu bizarres comme les tiens. Ok. J'ai trop des cadeaux. À part le Frampton, j'aime bien. Les autres, ils sont tous très carrés, très. Après, c'est un chanceux, Elian. Tu vois, déjà, quand tu ouvres des cartes Pokémon, t'es vraiment c'est vrai que c'est un fou. Chanceux. Et là, je pense que t'as encore tiré le. Attention, mais je t'explique, parce que moi, je suis un arbre. Celle-là, je l'ai, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Quand t'as dit tout à l'heure, toi, j'ai pas. Là, celle-là, elle est bien. C'est celle que j'ai fait. Quand t'as dit toi, ça, c'était bien marrant. Quand moi, j'ai fait, c'était drôle. T'es trop un bon, mon frérot. Merci, mon frérot. Ben, les gars, Ben va pas pouvoir continuer la vidéo, il doit y aller parce qu'il m'a dit qu'il avait un rendez-vous, un truc. J'ai décalé. Nous, on continue avec Elian la vidéo. Il y a plus de. Ton Uber est en bas. Moi, je vous explique juste en gros, du coup, on a notre petite sélection. Là, maintenant, c'est tout à fait du hasard. Nos abonnés qui nous ont choisis vont décider rien du tout. Ils vont rien décider, ils ont déjà décidé. Ils vont subir. Ça veut dire que là, maintenant, ils vont se mettre face à nous. On va déballer les cadeaux devant eux et vous allez voir leur déception quand vous allez ouvrir de la merde. Je déballe. Non, Elian. Ok, ok. C'est Noël. Et en gros, là, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir ouvrir devant eux. Chaque personne va passer un par un. On va ouvrir les cadeaux. On verra s'ils sont contents ou pas. Compte sur vous si vous avez des cadeaux de merde pour essayer un petit peu d'enjoliver le truc. À la fin, je vous rappelle que vous êtes noté. Si vous avez la meilleure note, vous rencontrez le vrai Père Noël. Vous avez un vrai cadeau. Objectif, manipulation. C'est ça, au final. Retourner le cerveau des abonnés. Potentiellement aussi des gens fragiles dans la vie de tous les jours. Donc on peut user de leur faiblesse. Servez-vous de ça. Si vous voyez qu'il y a une faiblesse, un problème. Un complexe, un truc comme ça, il faut s'en servir. Ça peut être une force. C'est une force pour nous. Exactement, il faut jouer sur ça. Et voilà, c'est potentiellement des abonnés qui se retrouvent dans notre contenu, à qui on remonte le moral. Et là, nous, faut qu'on joue de ça, faut qu'on en abuse. Oui, faut qu'on abuse de ça, de notre position un petit peu. Supérieure. Ben, voilà, ouais, complètement pour jouer de ça. On passe tout de suite à la présentation des abonnés et ensuite ils arrivent pour qu'on déballe les cadeaux. Quentin a 24 ans, il vient du 77 au milieu des crottins de vaches. Il aimerait bien avoir une PS5 et sa passion dans la vie, c'est League of Legends. Quentin. Merci beaucoup d'être là. Y a pas de souci. Le hasard t'a fait choisir Ben. Hasard ou destin, c'est ce qu'on va savoir très vite. Je peux te dire que nous, on a vu Ben galérer. Il s'est plié en quatre pour trouver des cadeaux. Moi, je pense que Ben, bah, c'est avant tout un gars gentil, généreux. Et j'ai aucun doute que parmi tout ça, bah, t'auras bah, voilà, peut-être des bagnoles. Ben, bonjour. Bonjour, Quentin. Écoute-moi bien, je vais pas passer par quatre chemins, d'accord? Je veux juste t'expliquer, j'ai fait des choix dans ma vie très compliqués. Là, j'ai fait des choix minutieux pour te choisir les meilleurs cadeaux. Je t'ai observé, ça fait des années que je t'observe. Mais j'étais mineur, là. J'étais juste de loin. Quel âge tu as? Là, j'ai 19 ans, là. 19 ans, donc ça fait des années que tu l'observes. Oui, mais des années, une année. Ça fait une année que je t'observe. Je connais tout de toi, donc je sais que chaque cadeau va te remplir de joie, tu vas les voir, mais... Là, les cadeaux ont l'air plutôt cool. J'ai super confiance en Ben. Okay. J'ai un peu... Même un peu peur. Mais... Peur d'être trop surpris. Je vais faire une crise cardiaque tellement. Genre, il me connaît trop bien. Tellement, voilà. Tellement tu kiffes. Ok. Mais c'est possible. J'ouvre le premier. Oui. En fait, je sais déjà ce que c'est, donc j'ai pas besoin en vrai de regarder, d'en faire des tonnes. Oui. Mais quand même, au cas où, on va regarder.
Mais attends, c'est hyper cool. Tu peux ranger des trucs avec, c'est... Mais attends, on va voir ce qu'il y a dedans, peut-être. Mais il y a rien dedans, en fait. Je vois pas pourquoi il faudrait forcément avoir quelque chose dedans. Donc pour toi, il y a toujours des choses dedans, quoi. Non. Ça, c'est tout simplement... Ah, ok, c'est la fin. C'est la fin, c'est ça. Ok. Mais ça, c'est cadeau. C'est pas la fin. C'est que le début. Le début du bonheur. Et en fait, le début du bonheur, il commence par là parce que chez toi, est-ce que t'es un mec qui a des posters? Non. T'es un mec qui a des posters. J'ai vu un peu quand même, je sais que t'as des posters. Ouais. Si tu veux ranger tes posters, tu fais comment? Bah, on les accroches. On les met sous le lit. Ça prend pas de place en plus. Dans une petite caisse. Mais sous ton lit, je crois que t'as des plusieurs caisses avec tes vêtements d'été, tes vêtements d'hiver et tout. Donc c'est chiant pour ranger, tu vois ce que je veux dire. Donc t'as besoin d'un truc pour ranger tes posters. Et donc t'es là. Tu le poses, tu les enroules, tu les mets dedans. Donc là, chez toi, en plus, tu peux le peindre. T'aimes bien la peinture, non? Si, j'adore ça. Bah voilà. Tu vois comment je vise juste? Non, mais tu peux juste me montrer, c'est creux à l'intérieur? Oui, c'est creux, parce qu'en fait, ça te permet de ranger les posters, tu vois. Ok, tu peux voir dedans. D'accord. En fait, en gros, tu lui as fait un bout de carton. Oui. En fait, le truc, c'est que c'est pas déjà qu'un bout de carton, c'est un truc fait avec amour. Bien sûr. Je pense que ça vaut plus que quelque chose de matériel, ça, premièrement. C'est matériel, oui, ok. Vas-y, continue. Tu vois, en fait, ça peut te servir de jumelle aussi. Ah, ça j'aime bien. Ça, c'est t'as vu sympa. Ça, j'aime t'as vu bien, ou pas ça. Mais ça zoome, ça zoome un petit peu, ça fait... Ça zoome pas, mais ça sert à rien de zoomer, mais en fait c'est... Tu vois dans la nuit avec? Oui. Ah bon? Tu vois pas bien, mais tu vois. Ah, et du coup, imagine, tu veux faire un cosplay pirate. On va passer au deuxième cadeau. Lui, je l'ai commandé, donc je sais pas trop. Attends, est-ce que c'est le modèle que je voulais? Bah, c'est exactement le modèle que je voulais, c'est cool, parce que... Ah le bâtard. Je suis content, c'est des AirPods Pro, t'as des écouteurs? Oui. T'as lesquels? Je sais pas. Mais je t'ai vu déjà venir avec des AirPods, t'as pas besoin là. Ouais, je pense que j'ai les Pro Max 2. Ça c'est les... Attends, Pro Max 4, ah ils sont pas encore sortis, ok. En tout cas, petit AirPod, moi ta place, je serais... Non, c'est chaud, c'est chaud. Ah, très bon. J'espère que c'est pas fragile, mais bon, de toute façon, tu sais ce que c'est. Donc c'est pas fragile dedans, on est d'accord? C'est fragile, si d'une certaine manière, c'est assez fragile. Ok. Oh. Putain, le livreur, il l'a ouvert. Ok. Connard de livreur. Il a bouché dans la colle, le livreur. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines, ça m'arrive tous les jours. Est-ce qu'il l'a pris? Il l'a pas pris. Oh, j'ai eu peur. Ok. Yes! Mais non, c'est quoi? Mon gars, c'est quoi ton style de musique? Plutôt le jazz. Le jazz? Ouais. T'aimes quoi d'autre? La musique classique. Ok, encore les autres. Le blues. Le blues, le... La country, tu m'as dit. Ouais, la country. Un autre... La folk. La crime. La crime. Ah. Ça, c'est ça, ça te plaît, ça. La crime, ça te plaît. Repro 3, Repro 2. Hop là, tu l'as vu dire ou pas? Et les gars, il y a le 1? Le 1? Ouais. Mais mon gars, le 1... T'as pas besoin du 1. Non, j'ai pas besoin. Repro 2, Repro 3. Il y a encore les prix dessus. C'est pas le vrai prix. Parce que ça, c'était un prix soldé. Moi, j'ai payé plus cher. C'est de la collection, en fait. Oui, c'est de la collection. Moi, je les ai pris donc au prix de Resale, when I cop them. Donc ça, déjà. Magnifique. Il y a pas quelque chose de caché. T'es comment, là, Quentin? T'es content? Si. Attends, le dernier il a l'air lourd. Hein. Ouais, je le garde pour la fin. Tu sais que le dernier c'est le meilleur. Personnellement, pour moi c'est le meilleur. Ok. Mais c'est mon avis. Après, c'est l'avis, c'est chacun. Chacun. Tu vois. Attends. Là, c'est un vrai carton. Il y a un vrai packaging. Le bâtard, il a eu un beau cadeau. Il a eu un beau truc. Il a ouvert un beau truc. Ouais. Je pense qu'il a la PS5. C'est qui la salope maintenant? Non. C'est qui la salope? Non, s'il te plaît. Hein? Si c'est toi qui as tous les beaux cadeaux maintenant. Ah, c'est ça, Noël. Ça va, mon gars? Ça va. T'es comme ça, t'es comme ça. Je sais pas, je connais pas Noël, moi. Vas-y. Tu peux me montrer ton poignet ou pas, les deux? Ice. Ok. T'as pas de montre? Non. Putain. T'aimerais bien avoir une montre? Ouais. Toi, t'es un peu un mec de la tech. Je sens que t'es un peu modo, des trucs Discord et tout. T'es un peu un mec de la tech, non? Tu sais ce que c'est? Un truc qui allie tech, modo, truc comme ça, tu vois. Une Apple Watch. Voilà. En vrai, je te dis honnêtement, c'est pas si fou, mais c'est pas une montre. T'as une montre? Bah oui. Une montre de pauvre. Gars. Wow. Dernier cadeau. C'est marrant parce qu'il est lourd lui aussi. Si c'est un iPhone. Comment j'ai hâte de l'ouvrir celui-ci. Parce que je vous avais dit que c'était mon préféré, donc imagine. Là, tu te dis AirPods Pro Watch. J'imagine un truc. Qu'est-ce que ça va être quoi à la suite? D'accord. Oh là là. Oh là là, ça va être fou. Permets-moi de te dire que je trouve qu'il est un peu long et peut-être que dans la note, tu peux aussi jouer sur le côté. On a peut-être envie d'aller, tu vois. J'ai déjà une note en tête, elle est pas. Permettez-moi, les gars, je crois qu'il est juste en train de détruire le cadeau en lui-même. Il croit qu'il y a un truc, mais c'est ça le cadeau. Non, mais il y a c'est pas ça le cadeau. Non, t'as pas prévu que ça, je pense quand même. Non, c'est peut-être une prépa, hein. T'as pas prévu que ça, Ben. Alors ça, frérot, tu l'attrapes? Vas-y. Hop là, nouveau frisbee. Ça, c'est pas cool, ça? Un pneu de trottinette électrique. Pas du tout frisbee. Si, c'est un frisbee. Mais c'est marqué en... Non, mais si, je comprends ce qu'il veut dire. Oui, c'est marqué en allemand. Pneu de trottinette électrique, c'est 3 mots français. C'est assez facile à comprendre. Je pense que tu te trompes. Pneu trottinette. L'électrique. C'est quoi le... C'est en russe. Et c'est un frisbee. Vas-y, tu me lances ou pas? Ouais, tiens. Electric scooter tire.
Ok, ouais. Bon, fais attention quand même. T'es content? Je suis au bord des larmes. Au bord des larmes de plaisir, bah, je sais, c'est des larmes de joie, ça se voit. J'espère que ta presta a plu à Quentin. Quentin, on te laisse un petit peu digérer tout ça, toutes les infos. Tu reviendras nous voir après. Ouais. Libre à toi de regarder les autres cadeaux. Peut-être que tu vas dire, mince, j'aurais kiffé un autre Père Noël, je vais baisser la note de Ben. Bon, j'aimerais pas que tu fasses ça par rapport à lui. Oui, c'est mais... chiant. On peut toujours revoir les choses à la baisse dans la vie, donc n'hésite pas à, baisser la note. Ou à l'augmenter. Les amis, on passe tout de suite au cadeau d'Hugo, déballé par Elliot. Hugo a 22 ans, il vient de Bordeaux. Son rêve, ce serait d'avoir une caméra. Il est supporter de Bordeaux, belge. Je comprends pas ce que ça veut dire. Les amis, on est avec Hugo. Bon, tu as vu, Quentin a raflé pas mal de prix. J'ai fait attention à ça, ouais. Ben a eu peut-être une bonne main, mais bon. Voilà. Mais pour l'instant, on va te laisser avec ton Père Noël. C'est Elian, j'espère que t'en attends beaucoup. T'es confiant? Franchement, je le suis. Je te dis. Voilà, comme moi, je suis d'accord avec Maxime, il n'y a pas tant besoin de faire des gros trucs et tout. Bah attends, quand même un peu. Je t'ai réservé quelques surprises. Mais ça, tu verras. Je vais de suite attaquer avec le premier cadeau. Tu veux ouvrir lequel? Tu veux que je commence par lequel? Moi, le petit bonbon, il m'interroge. Le petit bonbon, ouais. Allez, ouais, le petit bonbon. Bon, la petite douceur sucrée là, de la vidéo, je pense que ça va être pas mal. Ah. J'espère que c'est pas un chiot. Hop là. Ah ben, alors moi normalement j'ai demandé un truc, t'aimes bien les films? Ouais, j'aime plutôt bien les films. T'aimes bien les films, films d'action? Ouais, ouais, quand même. Ok, les films d'amour? Un peu moins, j'ai l'amour, c'est bof, hein. C'est... Écoute, ça tombe bien, je t'ai pris. Tu veux ou pas? Parce que moi je veux bien. C'est Fast and Furious, c'est tous les Fast and Furious. Excuse-moi, c'est offert en fait. C'est ouais, mais regarde, il y en a deux. Si tu veux, on peut faire. Tu te, t'as bien les parfums? Il y a le parfum. Il y a un parfum Givenchy dedans. Et moi, si t'es chaud. C'est vite, d'ailleurs. Allez, mon gars. Hop, profite. Tu kiffes ou pas? J'ai tout vu déjà. T'as tout vu? Mais c'est trop bien parce que là, tu peux les prendre. Là, c'est une collection un peu. Tu vois, mais j'aime bien les voitures. T'aimes bien les voitures? Et c'est les CD. Non, plus personne regarde les trucs avec les CD, c'est sympa. T'as ça en décoché. C'est vrai que plus personne regarde ça, tout le monde s'en fout un peu. Donc c'est un cadeau finalement. Moi, je vois plus comme un objet de collection. C'est original en tout cas. Bah ouais. Est-ce que t'as le truc pour mettre les CD chez toi? En vrai, j'ai. Non, c'est sympa. Tu m'as bien convaincu là. Bah oui, note sur 10 de ça par exemple. 7, c'est bien. Je le laisse là. Allez, on passe au prochain. Ouais, passe au prochain. Tu veux lequel? Je continue de choisir? Ouais, tu peux. Celui-là? Ok, ça marche. Allez, hop là. Oh, il a pas choisi celui-là. J'avais pas dit. Il a choisi celui-là, je crois. Celui-là. Et du poids. Alors attention, premier degré, celui-là, j'ai un petit espoir sur une PS5, moi. Je me demande si c'est pas une manette pour symboliser le fait que t'as gagné une PS5. C'est peut-être des AirPods. Oh. Ah bah non, c'est Quentin qui les a. C'est chiant ça quand tu dis des trucs comme ça, Ben. Les petits Quentin. Ça fait chier de faire ça devant les câbles, j'avais pas prévu. Qu'est-ce qu'il y a? On te sent touché là. Bah oui, parce qu'en fait, Hugo, voilà, c'est pas la première fois que je le vois, tu vois. Et bah voilà, petit cadeau, mais ça, pas forcément obligé de le garder pour la vidéo, c'est plus entre nous. Non, mais dis, non, mais voilà, c'est important de le montrer. Bah ouais, c'est une petite bougie avec écrit mon endroit préféré, c'est toi. Je te laisse après. Franchement, ça pue un petit peu chez moi. Bah voilà, ça tombe bien. C'est très très bien. Sans là, par contre, en vrai. Un peu. Ouais, sans quoi, c'est quoi? Fruity Love. C'est Fruity Love? Je voulais garder le câble. Waouh. Ça sent Fruity Love. Attention, je vais essayer de pas te regarder juste après parce que je pense que je peux tomber amoureux. Mais waouh, ok. Sans là, et regarde-moi, tu vois, c'est instantané. Normalement, tu tombes amoureux instant, c'est quoi. C'est pas mal. On va s'allumer. T'aimes bien, hein. C'est sympa. On va bien s'allumer. On va s'allumer après. Hugo. Ouais. T'aimes bien? J'aime bien. T'aimes bien? Qu'est-ce que t'as? Tu kiffes là? Je kiffe, ouais, je kiffe. Nickel, on continue. On continue. Lequel? On part sur lequel? Le gros, mes deux devant là. Lui? Ouais. Ok. Allez, hop là. Ça ressemble à un cadeau de PS5, sauf que je sais très bien que la PS5, connaissant la prod, elle est pas dans le truc PS5. T'as marché dans la merde aujourd'hui ou pas? Pas encore. Mais tu risques de marcher dans la merde aujourd'hui. Ah oui? Ah bon? Et c'est pour ça que, regarde, ce soir en rentrant chez toi, là. Je vais voir un peu. Mais non! Attends, c'est quoi le sens? Je pense que c'est ça le sens. Bam! Tadam! Papa, le sens c'est comme ça, mon gars. Tu connais Snoopy ou pas? Il dort sur la niche en fait. Il dort dans l'autre sens. Ouais. Hop là, Snoopy qui dort sur la niche. Marcher dans la merde. Hop. J'enlève la merde. Il suit ses pieds sales dessus, quoi. Là, il est lourd, hein. Fais un peu attention quand même. Celui-là, il est lourd. Et un peu lourd aussi. Ah, toi qui décide. Le dernier, tiens. Le dernier? Allez, celui-là. Ah, celui-là, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il est très très lourd. Celui-là, c'est celui que je voulais. Je vous ai déjà dit que je faisais du flair. Du flair? Ouais, le flair, c'est quand tu ouvres avec les bouteilles, t'attrapes dans le dos et tout. Ouais. Non, fais pas je ça. Je pense que je peux faire des trucs comme fais ça avec ça. Avec ça. Hein. Tu es à l'aise, je suis. Fais pas ça avec ça. Hein. Ok, bon, bah allez, je pense pas que ce soit si fou que ça. C'est quoi cette merde là? C'est. Ah oui, bon, allez, ouais, oui. Tu kiffes ou pas? Ça, j'aime bien ça. T'aimes bien ça? J'aime bien ça. Tu kiffes là? Tu sens? Ça, tu kiffes? Sens que tu kiffes là? Allez. T'es content ou pas là? Ouais, complètement. Et les deux, vous en pensez quoi là?
mon cadeau. C'est sympa la PS5. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça sert plus à grand chose. Oui, c'est direct sur le paillasson. En plus, maintenant, on en trouve partout. Alors, celle-ci, c'est la slim, donc c'est la moins chère. C'est ça. Tu vois, tu pouvais te lâcher. Tu la trouves partout. Et en plus, aujourd'hui, t'as un PC, t'as besoin de pas. T'as pas besoin. En plus, il y a GTA 6 qui va sortir. Une très bonne note. Non, très bonne note quand même. Faut tout. Non, mais tu sais quoi, moi, je suis modeste, tu fais ce que tu veux après. Faut remettre dans le contexte. Je vois ici. Allez, le dernier. Le dernier. Non, c'est un classique. Ah bah oui, la victoire et rien d'autre. Un peu ce qui vient de se passer aujourd'hui, Didier Deschamps. Ah c'est beau putain, ouais. C'est un peu le ressenti que j'ai après cette opération. Pas forcément, attention, pas forcément. Parce que moi le poster de Ben, bon bah je trouvais ça sympa. Plus l'AirPod, plus la Watch. Plus, ouais, alors, ça aussi mais bon. Bah écoute mon Hugo, voilà, c'était un plaisir. Je vais surtout jouer à la Play 5 je pense. Oui je pense aussi. C'était de bonne guerre à l'époque. Bien joué hein. Bon courage. Ça marche. J'espère que t'as régalé ton abonné. Moi j'ai régalé, c'est Chloé qu'on va recevoir maintenant. Et honnêtement, maintenant que je. Tu sais, j'ai vu un petit peu ce qu'avait donné Ben, j'ai vu ce qu'a donné Lian. Je suis très confiant sur l'avenir et je pense qu'elle a tiré le gros lot. Et surtout que la pauvre, c'est comme 2h30 de train, t'imagines. On passe tout de suite à Chloé. Chloé a 24 ans, elle vient du Mans. Elle rêverait d'avoir des AirPods et sa passion, c'est enseigner. T'es pas en entretien d'embauche, meuf, sois normal. Arrête d'inventer ça, t'as d'autres passions. Je suis sûr que tu adores par exemple les Tamagotchi ou alors League of Legends. Chloé, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ça fait longtemps que tu suis la chaîne et tout. C'est vrai que j'ai l'impression de recevoir plus que quelqu'un qui me suit, plus qu'un simple viewer comme je sais que Ben et Lian considèrent un petit peu les gens. J'ai l'impression de recevoir ma sœur. Ah, quand même. Et à ce titre, j'ai voulu que ces cadeaux. Ce soit comme des cadeaux que j'offre à quelqu'un de ma famille. C'est-à-dire que là, ce que je t'offre, c'est le max que je peux faire. C'est le max du max du max. Et c'est avec le cœur que je le fais. J'ai un peu d'émotion, j'ai un peu de trucs. Donc, carrément, je crois que j'ai la chiasse. Donc, est-ce que c'est quoi ton plus grand rêve? Moi, je voulais vraiment une PlayStation 5, quoi. Donc bon. T'as un deuxième rêve, peut-être? En vrai, ouais, j'aime beaucoup Apple. Un voyage à Tokyo? Ouais. Ça, tu kifferais ça? Tu kifferais ça? Ce serait fou. Non, mais voilà, je dis juste ça. Voilà, simple truc, je veux pas teaser ou quoi. Je dis juste que dans la vie, c'est pas forcément le matériel qui compte, c'est plus, voilà, l'offrande, le geste, et voilà, bon. On va pas épiloguer. On voit que tu essaies de grimper la pente là, qui arrive là. Pas du tout. Là, t'es serein là. Chloé, t'aimes le fromage? Ouais, j'adore le fromage. J'adore le fromage. Chloé. Oh là là. Waouh. Eminem, The Royal Cheese, comme on l'appelle. Ah ouais, on l'appelle comme ça. Eh oui, tu vois, c'est pour ça que je disais fromage. The Royal Tu vois Slim. Tu vois The real cheese. Ah oui, ouais, tu vois, c'est son nom, c'est vrai. Casquette plate, Tar Sky Rose 2007, c'est ce que je kiffe. Chacun ses choix. Tu peux la plier si tu veux, hein. Moi, je te. Surtout pas, hein. Attention. Surtout pas, hein. Moi, je pense que tu devrais la laisser comme ça. Ça dénature l'objet. Je vais la laisser comme ça, franchement, ça complète bien ma tenue. Ça a été fait. Kin. Quoi? C'est une petite région en Ardèche où c'est fait à la main, dans un petit atelier, avec des gens passionnés d'Eminem et de fromage. Qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus que ça, Chloé? Tu veux quoi? Une PS5? Non. On redescend tous un petit peu, je pense. Franchement, là, pour l'instant, limite, j'ai envie de dire. On s'arrête là. On s'arrête, tu vois. Il n'y a pas besoin de plus. Si, vas-y. Vous en voulez encore, everybody? Ouais. Bon bah je vais ouvrir alors. On va passer au deuxième cadeau. J'ai espoir pour celui-là, je le sens vraiment bien. Bon, t'aimes les fusils d'assaut? T'adores? J'ai appelé mon chien de Texas. C'est vrai? C'est vrai. Incroyable, I love America. Regarde ce que je vais t'offrir ici. Alors c'est peut-être pas un fusil d'assaut hein. Mais en tout cas, tu verras qu'on est dans le thème. Harry Potter, à l'école des sorciers. Un livre qui mitraille par son histoire, par ce qu'il a apporté à la littérature. Il est alors, c'est pas juste fou en vrai. Ouais. Pas fou. Si. Alors, non, en vrai pas fou. C'est pas juste un livre d'Harry Potter, comme je le disais. Quand je l'ouvre, il y a quoi? Des pages. Et dans les pages, il y a quoi? Des illustrations exclusives, bien faites, bien décorées. Est-ce que tu peux jouer à GTA avec ça? Est-ce que tu cautionnes ce que dit J.K. Rowling? Ouais, tu cautionnes ça? Je demande parce que du coup, t'as l'air fan d'Harry Potter, je pense. Ouais, c'est vrai. Dans quelle aventure va se retrouver notre héros Harry Potter dans la première édition de Harry Potter à l'école des sorciers? C'est dans ce livre que tu trouveras ça. La tête te crée plus d'histoires que n'importe quelle console ne pourra jamais t'en créer. Et ça, c'est bien dit. Il y en a un peut-être que tu veux que j'ouvre maintenant, je te le donne en mille, je vais te l'ouvrir direct. Je veux bien celui en dessous là. Celui-là là? Voilà, très bien. Hop là, FKO. Je rigole bien sûr. T'habites où, Chloé? J'habite à Le Mans. Le Mans connu pour? Les voitures. Les voitures. Les vaches. Les pas
Pâti noir. Noir. Ah oui. Ok. Un patin à glace. T'en as carrément deux. T'as des grands pieds, toi, Chloé. Ouais, je fais du. Très grands pieds. Hein. Je fais du 36. Du 43. Heureusement que c'est ce que j'avais choisi. Des chaussures en 43, comme dans le film de Noël Prime. Donc, trop bien ce cadeau. C'est bien taillé, c'est tout comme il faut. Tu vas glisser, mais comme never change. Ouais, je pense que je rajouterai un peu de coton au bout, puis ce sera parfait. Tu rajoutes 10-15 cm de coton et t'as tout ce qu'il faut. Il y a encore lui. Et il y a encore lui. Peut-être que le petit rouge, on se le garde for the last dance. Et on ouvre ce. Je pense pas qu'il soit aussi lourd. T'as l'air de faire il m'a pas encore convaincu sur son truc. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ce soit si lourd? Motion Pikachu en mouvement. Ça c'est génial. Tu connais Lego? Oui. Tu connais Lego? C'est, il y a des gammes, il y a Lego et il y a des marques repères. Ouais. Comme Lego mais en mode plus artisanal, plus oui, plus. Moi m'as-tu vu plus. Moi m'as-tu vu. Les petits commerçants de proximité qui. Ok. Tu vas pouvoir grâce à ce coffret exclusif que j'ai ramené tout droit de Kyoto au Japon. Kyoto. C'est pour ça qu'on parlait du voyage. Ouais d'accord. Tu comprends pourquoi je te parlais du Japon? Ouais. Tu vois, c'est pour ça que c'est écrit Pikachu. C'est Pikachu en français. Je te fais la trad. Ah, ok. Là, tu as un petit Pikachu qui sera avec un petit mécanisme qui roule en mouvement. Il court, il va où? Aucune part, parce qu'il reste sur son petit socle premium avec lequel tu vas pouvoir te régaler. On va passer au dernier cadeau, tout simplement. Et là, celui-là, bon bah... Non, c'est masterclass. Je veux vous dire un seul truc, c'est qu'il faut finir en beauté. Voilà. Il faut finir en beauté. Ça, c'est le bouquet final de la vidéo de je veux que quand ça s'ouvre, ça fasse... Quoi? Vous avez compris un petit peu le délire? Ça a l'air fou, ça peut être oh, fou. Putain. Oh, attends. Putain, si c'est ce que je pense, je suis jaloux. Hein. Alors, ça peut pas être ça. Non. Si c'est un coffret de magie, je suis très jaloux. Oh. What the fuck? Eric Antoine. La magie d'Eric Antoine, un véritable spectacle de folie de plus d'une heure. Donc t'as des trucs. T'as la boîte à miracles. Wow, tu dois avoir le chapeau magique et tout, non? T'as le chapeau magique avec. Ça, tu vas paraître une PlayStation avec. Ah. Là, c'est beau là. Bon, tournez-vous. Ok, vas-y. On regarde pas. Pas trop, est-ce que je peux. Ça va et vous? Ça va. Écoute, nous, ça va, mais je crois que Chloé, ça va. Oh! Ça va, Chloé? Oui! Désolé, les gars, c'est une émotion. On voit que c'est beaucoup pour elle, là. C'est beaucoup d'amour qu'elle a reçu, beaucoup de cadeaux. Y'a pas quelqu'un qui peut lui donner un truc à boire? Ça, la prod. Ça fait plaisir. Y'a pas un sandwich ou un. J'avais un muffin tout à l'heure. Des mouchoirs, peut-être. Quoi de mieux pour te remonter le moral qui est déjà haut, hein? On dit justement, c'est les émotions hein, qui font ça. Ah ouais, frère, mais là, c'est. Qu'un chapeau. Un chapeau, devinez ce qu'il y a dedans. Un tissu. Un lapin. Un lapin, ok, qui d'autre? Ça aurait été cool qu'il y ait une Apple Watch. Ouais, une PS5. Une Apple Watch, une PS5, toujours pas, c'est mieux. Alors peut-être. Nothing. Ok. Non, je suis désolé. Think. Non, Chloé, attends. Regarde. Qui est là? Qui est là? La magie. La magie. Magic. Oh. Un saucisson. C'est... Une fleur. Oh. Pour toi, Chloé. D'accord. Joyeux Noël. Merci. C'est gentil. Merci. On va accueillir les deux autres abonnés et ils vont voter. Même si Chloé, toi et moi, on sait. Tac, 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 ouais. Ma petite Chloé, tiens. Ouais, je vais marquer ma note. Abracadabra, 100% de réussite sur la note. Je pense que des abonnés dès que je. J'entends pas. Mon abonnement Twitch, j'ai lu. On lève le volume sonore que j'entends. Chez moi ou chez Ben. Ouais, sur je pense. Tout le monde ici va entendre. Pas de messe basse. Non. Ça marche. On accueille Hugo, on accueille Quentin et on va se passer au verdict final finalement. Les amis, ouais. Il y
Merci et désolé parce que je sais que vous avez fait beaucoup des cadeaux très voilà très marketing cool. Des très cool cadeaux. Non des bons cadeaux très cool. Moi j'ai ciblé voilà ce que voulait Chloé. Après, pas sûr. On voilà. verra si ça se ressent dans les notes. Je me fais pas trop de. Elle a pleuré hein. Ah, ouais. Bien sûr qu'elle a pleuré mec. Attends tout ce que je lui ai envoyé dans la gueule elle a kiffé. Les casquettes les machins. Non mais tu rigoles ou quoi ouais. Ça mon gars c'est Noël pour moi tu vois. Ah ouais. Ça c'est Noël. Ok ok ok. Triste Noël. Ouais c'est ça le truc. C'est que t'as pas été très cool quoi sur les cadeaux. Mais non mais vas-y si tu penses qu'elle est heureuse comme ça y a pas de soucis. Bah les amis un seul moyen de le savoir. Hugo, Quentin et Chloé sont disponibles. Ils sont là, ils ont fait leurs notes. Eh ben les amis passe au vote. Tout simplement dites nous les notes c'est parti. Yes. Yes yes yes. Yes sir. 14. Yes. Merci les gars. C'est cool ça. Trop bien. 14. T'as eu une Swatch, une Watch, une Apple Watch et des AirPods Pro, tu voulais quoi de plus? Et j'aime pas la couleur. T'emmerdes, Quentin. Ouais, tu peux pas jouer avec. Merci, 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 je suis content. Moi, je m'en fous au final de gagner. Je te jure, je m'en fous. T'as mis combien, lui? 5 pour les 5 cadeaux. Un point par cadeau. J'aurais dû en faire 83, du coup. Ça s'arrête pas là, puisque nos abonnés se sont régalés, mais le meilleur Père Noël va aussi se régaler. C'est toi, Elian. Qui a été élu meilleur Père Noël. C'est discutable, on va pas discuter, c'est la magie de Noël. C'est... Oui, oui, c'est la magie, c'est le vrai Père Noël. The real father. The real father. Il est venu tout droit de Laponie pour te faire un cadeau. C'est fou quand même. Je vous prie de l'accueillir. Décale-toi, comme ça il peut rentrer. Non, le vrai Père Noël est avec nous et il t'a fait un cadeau. Hello man. How are you, brother? Hey. I'm cool. You're chill. Top children's. Big chilling. Ok, c'est bon, je parle français maintenant. Salut mon gars. Vous avez été sages les enfants? Ouais. Bah, toi, t'es un vieil enfant hein, quand même. Hein. T'as bien mangé toi au réveillon, toi, non? C'est une prothèse, arrêtez. C'est, okay, pardon. C'est pour le tournage. Du coup, c'est toi, Père Noël Grassouillet, qui a gagné? Ouais, c'est ça. Ok. Je sens le Père Noël. Avec tous les lutteurs, je t'en connais. Oh non, vas-y, t'inquiète. Le Père Noël. Hey, de ton t'embrouilles pas le Père Noël, hey, oh okay. T'embrouilles pas le Père Noël. On a bossé 11 mois sur ce cadeau, okay. On a fait des brainstorms avec les lutins. Non, donne-lui ça, une Tesla. C'est le meilleur choix. J'ai une vision. Elian. Ok. Joyeux Noël. J'ai une vision, je sais ce que c'est. Je sais aussi ce que c'est. Je sais aussi ce que c'est. Vas-y, putain, de chanceux. Ah, de chanceux. Ouais. Oh là là. Oh, yo, yo. Bravo Italia, mamma mia, la pasta carbonara. Une pasta box, fromage italien, pepperoni. Formaggio italiano. La pomme pepperoni. La pomme pepperoni, il te faudra juste un micro-ondes. Bah merci beaucoup. Michael Père Noël. Ça fait plaisir hein. T'as été un bon Père Noël et t'as été bien récompensé. Merci grand-père. Merci à tous d'avoir suivi. C'est franchement, j'ai trop d'émotions là. C'est un boost de kiff que je me prends dans la gueule. C'est Noël, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci à Prime Video de nous avoir accompagnés. Allez voir un stupéfiant Noël. Foutez-vous ça dans la gueule. Merci à Elian. Merci à Ben. Merci à Green. Merci à Chloé, Quentin, Hugo, toute l'équipe. Merci à tous. Merry Christmas to everybody. Merry Christmas.